my brow and I sweat in my rust. I'm breathing in the chemicals. Hey, bien salut tout le monde, c'est Mesto 860. Aujourd'hui on se retrouve sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing. Voilà, encore une petite vidéo sur Naruto. Parce que voilà, il y a un nouveau portail, comme vous le voyez sur l'overlay, le portail de Utakata. Alors, j'ai essayé de faire une nouvelle façon de miniature pour les vidéos Naruto ou de Cat Battle. Donc dites-moi si ça va vous plaire, si ça vous plaît les nouvelles miniatures que j'ai faites par rapport à Utakata. N'oubliez pas de le mettre dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Puis, j'espère que mon overlay vous plaît, un minimum. J'ai essayé de travailler dessus un tout petit peu, mais c'est très dur. J'ai eu du mal à faire à trouver du Utakata bien et stylé. Et j'ai pas trouvé de fond. Du coup, j'en ai repris un ancien. Et j'espère qu'il vous plaît quand même. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Puis, j'ai changé la bannière de ma chaîne. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vu, allez voir. Ça me ferait plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est plus joli ou est-ce que c'est moins joli que l'autre? Et voilà. N'oubliez pas de me dire ça, tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de mettre le petit Mirai pouce bleu pour me faire plus référencer sur YouTube pour que la chaîne grandisse et qu'on agrandisse la Mirai Family. Puis voilà le petit commentaire qui fait plaisir sur en dessous de la vidéo par rapport à l'overlay, à la nouvelle façon des miniatures et puis à la nouvelle bannière que j'ai mis sur la chaîne. Voilà, tout simplement, maintenant on peut partir sur la multi. Du coup, sur cette petite multi-invocation, on peut avoir qui? Zabuza, je ne le veux pas, parce que je l'ai déjà eu deux fois et puis voilà. On peut avoir le Gaara Shukaku, je n'ai pas. En fait, la plupart, je les ai pas. Hein. Lee, je l'ai. Un doublon, ça ne me dérangerait pas. Mais bon, notre objectif, c'est quand même d'avoir Utakata et Naruto, Vermillon ou Minato. Il me faut un des trois persos. Ou même Itachi. Tiens, on va partir sur Itachi aussi. Quatre persos que je veux, c'est Utakata, Naruto, Vermillon, Minato ou Itachi Uchiwa. Voilà, là, c'est notre objectif. J'ai 52 perles. Voilà, j'ai farmé un peu. Donc oui, je sors la vidéo un peu plus tard que les autres. Parce que je devais la sortir hier et la faire hier, mais je suis encore malade et du coup, bah, j'avais pas la force pour la faire. Du coup, on va partir pour la multi-invocation. Voilà, et puis vous avez 9 levels à faire. Je crois qu'au bout de la troisième multi, on peut faire, c'est une 5 étoiles garantie. Donc espérons qu'en une seule multi, on va tirer du lourd. Alors, hop, ça ce qui arrive au début, ça on apprécie. Allez, allez, une. Allez, deux. Et allez, trois. Et allez, Sakura, tu viens avec nous ou pas? Oui, Sakura est présente. Oui, on aime. Oui, on apprécie. Allez, deux. Et deux, trois. Ah là, Sakura, j'aime quand tu tapes dans les portes. Un seul or. Ah, par contre, on n'a qu'un seul bronze. Donc, d'un côté, c'est pas mal. Ok, c'est à la fin de la dernière carte de la première série. Espérons que ce soit Minato, Naruto, Vermillon, Itachi ou Utakata. Espérons. Allez, on y va. Ok, ok. Ah, nouveau perso. Oh putain, le Gaara Kasekage. Bah déjà, c'est pas un fake. C'est pas un 5 étoiles fake. Du coup, on va pas s'en plaindre. Voilà, hein, il est pas mal. C'est pas un mauvais perso. Mais c'est pas le personnage qu'on aurait aimé avoir. Attendez, hop, il y a eu un petit bug sur R Server. Désolé, je relance l'application. Oh, R Server qui me fait des ciels, c'est pas cool. En pleine vidéo, c'est pas très gentil, R Server. Allez, R Server, bordel. Donc, ouais, R Server bug énormément. C'est très très chiant. Du coup, hop, on relance tout ça. Alors. R Server, qu'est-ce que tu nous fais, mon ami? Et oui, des petits bugs en pleine vidéo, c'est magnifique. Classe normale si vous n'avez plus rien. Voilà, hop, on relance. R Server. Oh, le jeu. Oh, mon téléphone qui commence à bugger. Pas très cool. R Server m'a fait tout bugger. Ah, voilà. Voilà, non. Oh, putain. Moi que ça passe. Voilà, ça vous voyez pas mon code. Et ouais, moi je suis intelligent. Donc voilà, on a quand même eu un 5 étoiles natif. On peut dire qu'on a quand même de la chance parce que au début de Naruto, bah de Blazing, bah j'avais que de la merde. Encore des. Ah, un nouveau 4 étoiles.
T'as, je crois qu'au niveau, c'est au niveau des animations qui fait bugger, wesh. Voilà, on a Shikamaru. Je l'ai déjà, je vais pouvoir augmenter son truc. Et encore, une Hinata, elle est déjà à 70% de luck. Donc, ça peut être pas mal. Hein, on peut le confirmer, ça peut être sympathique. Donc voilà, on a eu le Gaara, le nouveau Gaara, enfin ouais, le nouveau Gaara de l'ancien, juste avant du Blazing Festival. Donc vous voyez que j'ai pas encore monté mon SJ en 6 étoiles. Vous pouvez voir ma box, hein, comme ça au moins. Bien sûr, je joue pas trop au jeu Naruto là. En ce moment, j'ai le Gaara, j'ai Sasuke, voilà, y a pas mal de personnages que j'ai. On va quand même monter notre petite Hinata, voilà, que j'ai déjà monté en 5 étoiles, mais que je n'ai même pas monté en Spemax. Par contre, je n'ai aucun personnage de luck 99, parce que voilà, trop chiant. Franchement, trop casse-couille à monter. Donc voilà, est déjà à 70% de luck. Franchement, ce sera mon premier perso avec pas mal de luck. Voilà, faut pas la sous-estimer, c'est une très bonne carte, parce qu'elle permet de se mettre en perfect dodge et esquiver presque plein de fois. Franchement, la plupart de mes combats, je fais des gros trucs, et bah c'est elle qui me sauve. Donc voilà, on a le Gaara qui est ici. On va voir si on peut pas le monter d'un coup en petit 6 étoiles, là en vidéo, là. Est-ce qu'on serait capable? J'aimerais bien voir si c'est possible. Alors, non. Tac, normalement. Ça peut être possible, espérons. Il n'y a pas encore d'autres ramen qui traînent. Mais, une ramen rouge, là. Voilà, hop, on va voir si on peut. Ah non, 58. Faut pas aller plus haut. Bon, on le montrera pas en 6 étoiles maintenant. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme moi d'habitude, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Désolé, je tiens un peu la voix encore cassée, désolé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit Mirai pouce bleu des familles, bien sûr, d'aller me suivre sur Facebook, Twitter et puis aussi sur Snapchat si vous voulez, les liens sont tous dans la description. Puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et encore une fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.